canadien. Au cours de l'opération Jubilé, on bravait la mort devant la force de l'ennemi. Leur sort s'est décidé. Les plages sont devenues rouges sang ce jour-là. On Cameron Highlanders, les fusillés Mont-Royal, le South Saskatchewan Regiment et le Calgary Tanks, le Hamilton Light Infantry, les Sex Scottish aussi, le Royal Regiment of Canada. Tous ont mis le cap sur Dieppe. Si le courage fait la victoire, alors ils sont mille fois vainqueurs. La vue des lignes de défense était terrifiante. Malgré tout, ils ont marché et se sont battus jusqu'au bout. Pour eux, la guerre s'est terminée sur les rives de Dieppe. De tous côtés, les obus éclatent et les balles déchirent leur chair. Plusieurs se noient, d'autres dans leur sang, la plage est jonchée de cadavres. Certains gagnent du terrain, mais seront refoulés. Les galets paralysent les tanks. Ce n'est qu'après 9 heures de combat opiniâtre que vient l'ordre de rendre les armes. Sacrifier les pions de la guerre, redresser la tête. Jamais soldats ne furent plus braves que lors de l'assaut de Dieppe. Hommage à ceux qui en sont revenus et hommage à tous ceux faits prisonniers. Mais n'oublierons jamais